Salut et bienvenue dans cette vidéo. L'idée est assez simple. J'aimerais bien avoir deux modèles 3D. Le premier modèle que l'on va faire, c'est la Flysky, parce que j'ai besoin de ces petits joysticks là-bas. Le deuxième modèle, ça va être ça, parce que j'ai besoin de ces petits switches ici. Le troisième que j'ai besoin, c'est ceci. Et la petite roue qui se trouve là-bas. Ici, pour le but de faire des jeux pour drone. Donc, en gros, ce modèle-là. Étant donné que je préfère avoir un asset que je possède réellement au niveau de la propriété intellectuelle, je vais faire ces trois-là. Je pourrais prendre ces deux-là et je serais tout à fait en droit de faire des jeux avec, vu qu'ils sont Creative Commons, mais pourquoi pas directement les créer, histoire d'avoir aucun doute sur le sujet. Donc, c'est parti pour faire. Ça, 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 et un peu plus si j'ai le temps. Du coup, j'utilise Fusion 360 parce que c'est mon outil de prédilection pour faire de la 3D. Et on va commencer avec un cercle. Je prends les mesures parce que cette commande-là, je l'ai. Alors, elle fait 5,2. 5,2. Millimètres, elle monte à 6,9. Comme ceci. Et puis elle monte à 8. Là. Alors maintenant, il faut que j'extrude de approximativement 7 mm. Ok, donc on va dire ok. Voilà, on va sauvegarder sous. Fly Sky Switch and Stick. Oups, il y a mon ordinateur qui a du mal. Alors, tout 2024 09 16 Fly Sky Switch and Stick. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, il faut que je me mette comme ceci. Voilà. Sur ce, il faut que j'extraie ceci d'une taille de 9,8. Ceci. Ensuite, on affiche le sketch. On va extraire ceci de 7. Ensuite, on va extraire. Voilà. Je suis jusque-là. Ceci. Alors, il faut faire une petite modification pour dire qu'on veut faire les bords. Alors, comment ça marche encore? C'était ici. Parce que je viens de Blender, donc du coup j'ai tout oublié. Voilà.
Voilà. Ça. Parfait. Ça, c'est la première pièce. On a... pop, pop, pop. Une mesure de 11 mm. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Là, il faut la deuxième. Laissez-moi juste revisser ça. Ouais. La deuxième partie, c'est une prolongation. Donc on a... Hop. Prolongation de ça, qui est en fait un cercle qui va de là à là, de là à là. Puis au-dessus, c'est des pics. Espèce de petit triangle. Qui est donc en extrait de là à là pour une taille de 8. Sauf qu'on veut une nouvelle pièce. Ensuite, hop, on extrait une pièce comme ceci, de une taille plus ou moins de 3. Voilà, qu'on demande d'être une nouvelle pièce. On va bouger ça un petit peu plus haut. Comme ceci, de 4. Et ici, on va supprimer ça. Donc on peut aller un, de ça avec ça, en suppression. Tadam! Maintenant, il nous faut les petits pics qui se trouvent ici. Alors, comment je pourrais faire des petits pics? C'est juste des bêtes triangles. Il faut qu'ils se répètent. Répète et répépète sans se rebateau. Répète tombe à l'eau. Qui reste-t-il? Répépète. Donc il nous faut une sorte de cercle qui va comme ceci. Puis du coup il nous faut une ligne de construction. Comme ceci. Ensuite, depuis cette ligne, il nous faut comme ceci. Nous faut une deuxième ligne ici. On veut que celle-là soit égale. Non, égale. Celle-là soit égale à celle-là. Voilà. Ensuite, on veut une deuxième ligne à 45 degrés. Plus 90. Comme ceci. Qu'on veut venir faire atteindre le bord. 45 degrés. Hop, voilà. Donc ça va nous donner une sorte de petit triangle. Sans qu'il est un peu trop loin du bord. On va voir si... Ouf. Ici, en changeant la taille, est-ce que je peux rectifier mon erreur? Donc on va faire distance, sketch distance. Et là, on va dire qu'on veut 5. Non. 6. 5 x 5. Ouais. Comme ça, c'est bien. Ok. Maintenant, il me faut un petit pic tout au-dessus. Ce que je pourrais essayer de faire, c'est ceci.
Et à lui, on va enlever la construction, hein, parce que c'est pas un outil de construction. Ensuite, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est une sorte de petit triangle. Quarante. Quarante. Ça me paraît pas être les mêmes proportions. Ah. Effectivement. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a ce petit triangle-là, ce qu'il faut faire, c'est l'extruder vers le dessus. Voilà. On va l'extruder de plus ou moins 3 mm. 3 mm, comme ceci. Ensuite, on garde notre sketch. On extrait En fait, je n'ai pas copié le pourtour, du coup, il me laisse pas faire une face. C'est pour ça que je vais copier-coller le bord. Et ça a pas l'air de... Perché? Perché? Ok, je crois que c'est bon. Quoi? Voilà. Non, c'est pas bon. Alors, est-ce que c'est à des bords là-bas qui ne s'est pas accroché? Ah. Ok, maintenant, il faut que j'extraie de 0,1 mm, juste pour lui donner un petit peu de volume. Comme ceci. On va vérifier que ça s'est pas accroché. Ah, celui-là, il s'accrochait. Voilà, ce qui est très bien avec Fusion 360, c'est cette capacité à remonter dans le temps. C'est vraiment pour ça que je fais toujours mes logiciels dans ce truc, parce que c'est trop pratique. Alors, du coup, maintenant, on va faire juste un petit loft de là à là. Mais je crois qu'il faut qu'il fasse partie de la même, du même objet. A priori, non. Join. Non. Ouh, trop loin, trop loin, trop loin, trop loin. On va lui redonner une chance. Loft. De là à là. Il y a mon ordinateur qui a un peu de mal. Et je vois qu'il y a peut-être les points à bouger là-bas.
Tiens, c'est dommage, hein, c'est dommage. Ce que je peux essayer de faire, du coup, c'est peut-être éditer ici et aplatir là-bas, en espérant qu'il arrive à avoir un petit peu plus facile. Alors, de là à là. Ensuite, ça, on va dire que ça devient... Cut. Valider. Voilà. Maintenant, si je demande de faire un loft de là à là. Nah. Chouette, chouette, chouette. Ok. Maintenant que j'ai ce magnifique objet, je vais pouvoir dire rotate around. Je rotate un profil qui est cet objet-ci. Non, c'est pas ça, c'est. C'est pattern. Pattern circulaire, ceci. Et apparemment, j'ai fait une jointure. Edit. New pieces. Comme ceci. Ok. Maintenant, on va pouvoir faire un pattern qui va nous permettre d'avoir ce magnifique truc circulaire tout au-dessus de la petite partie du switch. On va dire autour de ceci, comme ceci. On en veut combien? Ouf, on en veut beaucoup. Parfait. Mieux. Parfait. Non. Comme ça, c'est bien. Voilà. Donc ça, c'est le dessus pour le doigt. Alors normalement il y a un trou ici qui permet de... Mais plus j'ai de ronds, plus j'ai des triangles dans mon application. C'est peut-être pas une bonne idée de... Oui, c'est quoi ça? J'ai fait une erreur juste avant. Voilà. Il m'a... Ah. Fusion. Tadam. Voilà. Ok. Alors, maintenant qu'on a ce joli, joli objet, c'est-à-dire qu'on a le dessus du joystick. Je peux retaper son petit truc sur la manette. Maintenant, la partie la plus bizarre, parce que je ne peux pas ouvrir mon appareil. Alors, il me faut une sorte de rond. Il me faut un cylindre troué avec un rond dedans. Non, déjà le cylindre. Ok, bon, ça c'est le dessus. Parfait. Maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est un magnifique rond sur le côté. Voilà. Allez, tu vas t'en sortir. On veut créer un sketch sur le plan de côté. Ici, il nous faut un rond qu'on va dessiner grâce à deux points. Voilà. Un qui se trouve... Je préfère en fait du coup venir ici en face pour respecter l'ordre de... Donc ici j'ai besoin d'une sorte de rond qui fait plus ou moins 23 centimètres, 23 mm. Donc il me faudrait un rond de 23 mm de diamètre et donc de 13 cm de longueur. Donc on va dessiner un cercle de 23 par de là et qui fait 23 cm comme ceci, puis on va le déplacer de bonnement 3 mm.
Sauf que vu que je l'ai fait pile poil là, il va pas vouloir me laisser faire. Ce que je peux toujours faire du coup, c'est de faire un petit rectangle ici, mais en même temps on s'en fout. On va laisser ça comme ça pour le moment. Ce gros cylindre, il faut que je l'extraie des deux côtés. Hop, hop. Both sides. Alors, la longueur, c'était 23. Comment ça, 23? 23 comme ça. Et 24 en longueur. Ok. Ok. Vingt-trois divisé par deux. 23 divisé par deux. Comme ceci. Ok, donc ça c'est notre petit cylindre qui va tourner à l'intérieur de son mécanisme. Parfait, parfait. Maintenant ça, ce sera à l'intérieur d'un autre mécanisme plus concret qui lui fera hop comme ceci. 5 mm. C'est une nouvelle objet. Pareil de l'autre côté. 5 mm en nouvel objet. Voilà, donc ça va être notre truc qui peut bouger comme ceci. Maintenant, il faut qu'il bouge horizontalement. Donc pour bouger horizontalement, on va cacher celui-là et celui-là. D'ailleurs, on va les joindre tant qu'à faire. Donc toi, 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 non, toi, 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 non, toi, toi, toi. Voilà. Du coup, ah tiens, j'en ai oublié. Bon, je peux l'éditer ou je peux juste revenir en arrière et dire, ah, il te faut aussi l'autre. Voilà, tant pis. Alors, du coup, ça, c'est joystick finger tip. Voilà, on va le bouger de quelques millimètres avant qu'il se retrouve à coller à l'autre, parce que le but c'est pas qu'il colle à l'autre. Il va falloir que je fasse la vis aussi, du coup c'est plus ou moins la même taille en fait. Ok, papapam, ici ça. Ça fait combien de distance encore? 5,5. Okay, donc il va falloir qu'on fasse un truc comme ceci de 5,5. On va faire un nouveau sketch sur ce plan qui va faire 5,5 qui va du coup aller d'ici à... On va faire un rectangle du centre. Ceci, voilà, comme ça on met 5,5, on va jusque là, mais ça va un peu plus loin que ça dans mes souvenirs, parce que ici ça prend vraiment 23 cm, ça va vraiment jusqu'au bout presque, on va dire de 22, comme ceci, voilà, donc a priori ça va être ça la taille. On va prendre ça et l'extraire, bah, je suppose, de 23 ou de 22, parce que ça a l'air d'être un rond et donc un carré, dans un nouveau body. Voilà, comme ça, j'ai un gros carré que j'extrais dans le mauvais sens. Et vite.
moins 22. Comme ceci, j'ai un gros carré à l'intérieur. Ce gros carré à l'intérieur, il est théoriquement rond. Sauf que pour qu'il soit rond et qu'on le voit, il faut que je fasse un gros cylindre au-dessus. Donc avant de faire ça, j'aurais dû faire autre chose. Donc juste avant de faire cette partie-là, j'aurais dû faire un nouveau sketch vu du dessus. Prendre un rond comme ceci et faire 21, on va dire 22,5, non, 20,5, comme ceci. Ce rond, je vais pouvoir le percer dans l'autre. Voilà. Même si c'est pas nécessairement obligatoire, c'est juste pour le design finalement. On va quand même le faire. On va extraire. On va cacher ça parce qu'on veut pas l'abîmer. On va descendre dedans juste un tout petit peu. Sans plus, juste pour donner un effet un peu on rentre dedans. Parfait. Et maintenant, il me faut la partie qu'on avait envie de faire. Donc je reviens. Voilà, cette partie-là, c'est un rond, donc on va cacher l'autre. Comme ceci. Et on va dire qu'on va vouloir éditer celui-là. Celui-là, ce qu'il nous faut, c'est un magnifique rond qui descend jusqu'au milieu ici. Bon, bah, vu qu'il n'y a pas de milieu, on va utiliser un double point. Comme ceci. Du coup, on va extraire et demander l'intersection des deux. Ici, on va, hop, on va dire qu'on veut une intersection entre ça et ça. Voilà, on a ce magnifique bloc. Ce magnifique bloc, il faut que j'extraie une sorte de vis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici. Pop, pop, pop. J'ai pas nécessairement besoin de celui-là, je préférais l'autre. Ouais. Donc il faut qu'on extrait ici ceci de là dans les deux sens, comme ceci, de quelques millimètres, et on veut que ce soit une intersection. Sauf que je suis trop gros. Join. Et je dois retirer celui-là parce que le but c'est d'être dedans et pas à l'extérieur parce que sinon ça bloque le mécanisme. Voilà. Magnifique. J'ai mon magnifique mécanisme. Donc j'ai cette partie-là qui tourne. C'est là qui va partir, qui va être l'ensemble autour. On a ça qui va pouvoir tourner. Ça qui fait partie de celui-là. Ouais. Celui-là c'est horizontal. Joystick horizontal. Comme ceci. Ça, c'est joystick vertical. Comme ceci. Ça, c'est le type. Et ça, c'est les deux côtés. Comment ça ressemble à un truc, hein? Par contre, je suis allé un peu profond. Et en fait, ce qui se passe, c'est que eux, pour faire un effet un peu stylé, ils ont fait comme si c'était une boule à l'intérieur, alors que c'est pas une boule, hein. Ils ont fait comme si c'était une boule pour avoir les petits gradients dessus. Qu'on sache à combien de millimètres c'est l'un de l'autre, à combien de degrés. C'est assez classe. D'où le fait qu'ils ont fait ça. Et c'est vrai que ça pourrait être cool de l'avoir en VR. Donc, si je veux avoir ces petits gradients, il faut que j'ai une sorte de petite boule là-bas. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça, j'ai aucune idée de comment faire. Je pourrais faire une sphère. Puis la cut. J'ai jamais fait de sphère parce que c'est pas toujours idéal en 3D d'avoir des sphères. Donc, du coup, est-ce que fais une sphère, ou est-ce que j'essaie de faire un truc un peu optimisé? Bon, déjà, je sais pas comment on fait une sphère. Ici, créer une sphère. Select a plane, then specify the entry of the point.
Diameter. On va dire toit, comme ceci. Et on veut que tu fasses une taille comme ceci de 20. On veut que tu sois un nouveau beau jet. Et du coup, on va dire OK. Puis on va te déplacer vers le bas. Comme ceci. Voilà. Et alors, du coup, je t'ai pas fait assez gros. Donc on va te grossir un peu. De 20,5. Comme ceci. Parfait. Il faudrait quand même un peu plus gros. Il fait combien ce diamètre? 22. Donc on va éditer, on va mettre 22 directement. Élite. 22. Parfait. Maintenant qu'on a fait 22, il faut que je coupe la truc avec celui-là. Pour avoir deux parties. On va dire booléen. Cut. Celui-ci avec celui-là. Comme. Ah merde! Ça va pas marcher. C'est pas grave. On va prendre le sketch. Il y a un sketch que j'ai généré pour générer cette partie-là et je peux la réutiliser pour cutter dedans. Donc, on va cacher cette partie-là. On va cacher cette partie-là et on va dire. Vas-y. Alors, on va ici cacher celle-là. Voilà. Et on va dire, avec ce joli rectangle, tu vas cut comme ceci. Magnifique. Une fois qu'on a fait ça, pour donner un petit peu de vie. Ah merde. Fallait cut dans les deux sens. Double. Pour donner un petit peu de vie maintenant, on va cacher tout ça. Et on va extraire un tout petit peu. 0,5, comme ceci. Extraire moins 0,5, comme ceci. Donc là, 0,5, ça me semble un petit peu beaucoup. On va voir, hein. Alors, on remet l'horizontale. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Par contre, le truc, c'est que la sphère n'a pas la même taille. Donc, est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas mis assez profond? Ça me semblerait être ça. On va. Hop. Parfait. Ok, donc ça c'est la magnifique sphère qui va nous permettre du coup maintenant de fusionner avec l'autre. On va fusionner ça avec ça. Faire fusion de ça avec ça en un seul objet. Voilà. Ah, ça n'a pas totalement fusionné. Ça a même pas fusionné en fait. On faisait ça, avec ça, avec ça. Dix-sept. Vertical. Vertical fusionne avec 17. Ah, c'est bon, ça a l'air d'avoir fusionné. Ok, donc ça fait partie de ce truc-là.
Ce qui veut dire que normalement, si je le tourne, je vais avoir le truc qui est tournable dans Unity. Ça, c'est le truc qui est remplaçable si jamais on a besoin d'un nouveau. Ça, c'est vertical, ça, c'est horizontal, et ça, c'est la coque. Donc maintenant, je crois que ce qui reste à travailler, c'est la coque. Donc la coque, c'est une sorte de rond. Ce qu'on va faire maintenant, comme ceci. Voilà. Pop, 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 pop. Alors, la coque, c'est une sorte de rond qui part du centre et qui fait... Laissez-moi mesurer. Millimètres. 46 mm. Ensuite, dans ce 46 mm, on a un carré qui part des coins là-bas. Donc, il me faut un carré. Et un carré qui part du centre. Donc, on va rectangle. Voilà. Magnifique. Alors, on va checker la distance, même si, bon, c'est pas nécessairement besoin de copier sur ce coup-là. Hein. Faire au vogue le pic. Vingt-sept, comme ceci. Longue, une petite longueur de 36, mon cher. 36, comme ceci. Voilà. Donc ça va faire le petit rectangle dans lequel ça va s'inscrire. Il y a une petite pente, mais je suis pas sûr qu'on la fasse, la pente. On pourrait. Donc si je veux faire une petite pente, faut que je fasse une bordure interne. On va aller chercher une petite line, comme ceci, et on va dire qu'on veut une petite line de moins 2 mm. Ouais, comme ceci. Maintenant qu'on a ça, ça remonte sur comme ceci pour un petit millimètre de long, puis ça refait un millimètre, puis ça redescend d'un millimètre. Donc ça, ici, on a hop, ça plus ça, donc 47. Bon, pas picot. Puis on a hop, 47, 8,5, et puis on a, et hop, c'est 48,5, on va dire 50, comme ceci. On a plus ou moins toutes les lignes qu'il nous faut. Ok, donc, on dépose ça. Voyons voir ce que ça peut donner. Ça part du dessus du cercle, donc on est bien placé. Ça va vers le bas. Alors, pour pas abîmer ce que j'ai fait ici, il va falloir que je cache tout ça. Il faut que je descende ceci en profondeur, comme ceci. Une profondeur de, bah, en fait, la taille ici, hein, histoire que ce soit bon, donc normalement c'est de 22,5, hein, 23. Donc ça, c'est notre magnifique zone. C'est là-dedans que se cachent les mécanismes. Il faut que je descende ceci jusqu'en dessous, comme ceci. Jusque-là, comme ceci, en join, puis on l'extrait ici juste un tout petit peu, genre de 4 mm, pour lui donner une petite pente. Et on va dire qu'on veut une petite pente entre une jolie petite pente entre ça et ça. Une jolie petite pente entre ça et ça et ça. Et ça marche pas.
Peut faire du draft. C'est un peu ce que je redoutais. Parce que ça ne marchera pas sur tous les trucs. Si je fais ça, ça marchera pas. Et ça va faire ça, c'est pas une bonne chose. Une autre solution, c'est de faire un bevel. Donc c'est pas de l'extraire, mais de faire directement un petit bevel. Qui est cette opération là, un chambre, pardon. Comme ceci. Voilà. Sauf que ça marchera pas parce que j'ai fait une jointure. Paris. Oh, ça marche. On va faire 4. Non. 3. 2. Parfait. C'est bon comme ça. Alors, le truc, c'est que ça. Ça va quand même plus loin. Ça rejoint à l'intérieur des vis. Ici. Techniquement, eux, de leur côté, ça fait genre de là à là. Comme ceci. Join. Et ça le fait pour celui-là, mais ça fait aussi pour cette partie en face là. Hop, on va 1, 2 et 3, 4, join. Comme ceci. Parfait. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a ça, on est content. Sauf que les marques, elles sont sur le côté, c'est bon. Puis elles sont à l'intérieur du cercle, c'est bon. Maintenant, il faut que je fasse le dessus. Alors, ça, c'est déjà bien. Mais si on veut faire comme la manette, il nous faut le dessus. Et le dessus, il est là. Alors, le dessus, il vient, il fait pof. Non, il fait pof, pof, pof. Comme ceci. Ensuite, il fait off pour ouh. Laissez-moi observer. Alors, il faut que je descende ça. 5 mm. C'est beaucoup ça. Ça fait beaucoup de millimètres. Ok. Donc maintenant on fait ça. Magnifique. Et maintenant on va essayer que ça veuille bien. Si ça veut bien. Replace face offset combine. Je regarde un peu pour me souvenir de comment ça marche tout ça parce que j'utilise pas Fusion comme un outil en permanence, juste de temps à autre. Et du coup, je vérifie quand même qu'il n'y a pas une solution plus simple que ce que je fais. Mais on va essayer comme ceci. Non, il va pas vouloir. Mais attendez qu'il va bien. Input, profile, rail. Si je fais deux sketches comme ceci. Comme ceci. Ensuite, que je camoufle celui-là et celui-là. Et puis que je dis que je veux faire un magnifique
loft de ça, ici. Voilà. Parce qu'il n'a pas compris ce que je voulais que je fasse. Parce que je me suis planté plus tôt. Quoique. Effectivement, je me suis planté. Alors, on va prendre ça. Du coup, c'est 48,5 et l'autre il a 47. Voilà, du coup on a notre fameuse paroi, mais il me l'a rempli et ça c'est pas une bonne chose. Bon, ben on va faire ça autrement. Maintenant que j'y pense, je suis un peu con. Je viens de voir comment j'aurais dû faire. C'est pas grave. On va revenir en arrière. Parce que je viens de me rendre compte de comment je pouvais faire ça. Doudou, tout, 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 tout. Alors, quand on n'est pas débutant comme moi, et qu'on est un petit peu malin, on décide de faire un plan ici, comme ceci. Ensuite, on dit qu'on veut une jolie forme qui va de ici à là-bas, de ici à 3 mm de hauteur. On va mettre 1 mm. Oh, 0,5 alors. Voilà. On monte de 5, j'aime pas 5, je vais mettre 4,5, même si c'est 5, voilà. Oups. On avance ici de 5, on refait une petite ligne de construction qui va à la même hauteur. On extrait ceci. Sauf que on n'a même pas besoin de l'extraire dans mes souvenirs, il faut juste lui demander de faire ce magnifique truc qui est dans Fusion 360, de dire ça tout au long d'un axe, c'est-à-dire celui-là. Tadam! Magnifique. Ensuite, il faut qu'on extrait de là à là. Et pour faire ça, on va juste dire toi, toi et toi, tu descends jusqu'ici. Voilà. Ok, donc maintenant, si on enlève les sketchs, ça ressemble à ceci. Donc ça, on va l'appeler body. Lui, par contre, je ne sais pas ce qu'il fout. Quand est-ce que j'ai fait ça? Je ne sais pas quand j'ai fait ces deux-là, donc je vais les retirer.
Ok, donc maintenant ce qui se passe, c'est que j'ai juste besoin d'appeler ça le body. Joystick holder, comme ceci. Donc il contient les joysticks. J'ai ma petite bouboule. J'ai mon joystick. Et j'ai ceci. Magnifique. Donc maintenant, il faut que j'exporte tout ça en version low poly, en espérant qu'il arrive à convertir ça low poly, parce que je sais bien qu'il y a une option pour ça, mais je l'ai peut-être loupé. Ici, c'est pas low poly, il faudrait que je le retravaille dans Blender. Mais maintenant que c'est fait en Fusion, il faut que je l'extraie en Blender pour pouvoir peindre dessus. Parce qu'ici, il va falloir peindre les petites jauges. Ici, pareil, il va falloir peindre les petites jauges. Donc du coup, il faut que j'extraie ça. Sauf que ici, j'ai un peu peur qu'en dessous de ça, il y ait un peu de matière. Problème, c'est que ça sert à rien d'avoir la matière pour rien. Ici, vous voyez que ça, c'est cool, mais ça sert à rien. Je veux dire pour le jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire ici, je vais faire un gros carré comme ceci, qui va jusque là. À mon avis, ça ira pas beaucoup plus loin. Voilà. On va faire de même pour l'autre. Voilà. On va dire toi, tu fous. Comme ceci. Dans les deux sens. On espère que ça les a pas joués ensemble. 1, 2, non, ça va. Donc a priori, on va faire un test. Alors, comment je peux faire pour tourner les deux à la fois? Est-ce que je peux... Donc si je dis que je veux tourner celui-là sur cet axe-là, ok, c'est bon, on voit pas le dessous. Maintenant, si je veux tourner l'autre, ça m'étonnerait que l'autre on le voit parce que basiquement c'est la même idée. Par contre, ça me paraît bizarre qu'on puisse pas aller si loin. Parce qu'ici, du coup. Normalement, c'est beaucoup plus grand. Hein. Je crois que j'ai fait une connerie ici. Parce que ça doit descendre jusque-là et jusque-là. Donc, techniquement, il n'y a pas cette zone blanche que j'ai fait. Donc ça, c'est en trop là, la partie là-bas. Alors. Quand est-ce que j'ai fait ça dans le projet? Donc ça c'est la partie où on faisait le cylindre. Ça c'est la partie où on faisait ça. Cette partie-là. Voilà. Et alors ici, quelque part par là, c'est celui-là qui est en trop. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai le cercle qui vient jusque-là. Ouais. En fait, c'est juste que lui, il descend beaucoup plus profond, plus directement. Genre là, c'est pas 2 mm, c'est vraiment... Moins 0,5. 5, comme ceci.
Yep. Donc. Je fais des bêtises. Suis en train de faire des bêtises. Je viens de comprendre à quoi sert le l'angle. Ah non, même pas. J'ai cru que c'était pour gagner un peu d'angle dans le mouvement. Mais non. Donc, ici, ce que je dois faire, c'est que je dois éditer le sketch pour que celui-là arrive là-bas là et là-bas là. Donc en fait, ça va pas le faire. Donc on va le supprimer. On va faire un rectangle qui part du centre et on va espérer que l'autre s'y retrouve. Part du centre, on va jusqu'ici, comme ceci. Et on va toucher à peine ici. Voilà. Du coup, ça va me créer des erreurs, c'est pas grave. On va revenir juste avant. Voilà. Et alors ici, quand on va cacher celui-là, parce que on veut pouvoir bosser. Quand je fais ça, c'est là qu'il échoue. Je vais dire non, c'est juste celui-là. Comme ceci. Alors ça, tout petit peu plus à l'intérieur. Ça fait. Et ensuite, le bevel, il a lieu ici. Donc, toi, t'as lieu sur ces faces-là. Deux, cinq, quatre, deux. Quatre. Oh, ça c'est chouette. Ça se rapproche de comment ça se passe dans le truc. Jusque j'ai un tout petit peu plus loin et on se rapproche de la vraie vie. Là, ça commence à ressembler. Et alors, du coup, il y a un bevel là-bas. Je suis obligé de le faire. Non, pas nécessairement, mais c'est vrai que c'est plus joli d'avoir un bevel. Donc, on va voir si il accepte que je le fasse. Ah, c'est pas bevel, c'est un champ. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je dis bevel à chaque fois? C'est de là à là.
Là, là, sans ça. Et alors ici, c'est un bevel à toute distance de 2 et de 4, 6 et de 1. Parfait. Ça c'est chouette, ça c'est chouette, ça c'est chouette. En fait, cette partie-là, vu qu'on est dans un jeu vidéo, ça peut frotter à l'intérieur, alors que bah, dans la vraie vie, tu pourrais pas. Alors, du coup, ici, ça c'est chouette. Tout le bas ne sert à rien en soi. Tout le bas ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc on va retourner à la fin. Où j'ai vu que apparemment j'ai fait de la merde sur cette partie-là. Parfait. Il faut que je cut toute cette partie-là parce que franchement, elle sert à rien. Je l'aime bien, mais elle n'est pas nécessaire. Comme ceci. Et alors là, le gros carré qu'on a fait pour cutter, on va s'en servir pour cutter dans tout. Parfait. Voilà. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je crois qu'on est bon, hein. Donc maintenant, il faut savoir texturer tout ça. Pour texturer tout ça, il va falloir aller dans Unity. Dans Blender, pas Blender. Qu'on va sauvegarder. Yep. Parfait. Alors, maintenant que c'est sauvegardé. On vérifie qu'il a bien un nom. Oui. On va essayer d'exporter tout ça. Mais le format d'export va pas être idéal. Alors par contre, je vais faire un dossier parce que j'aime bien sauvegarder tous mes trucs de Fusion à l'extérieur de Fusion. Donc je vais créer un petit dossier que j'appelle Eloastre 3D parce que j'ai un GitHub de Eloastre 3D. Dedans, je vais prendre le nom de ce projet-là. Je vais faire un petit dossier. Voilà. Dedans, on va sauvegarder notre projet, comme ça j'ai une sauvegarde si je veux le récupérer. Ensuite, on va exporter en OBJ. Oui, OBJ. On va voir si il va peut-être avoir des problèmes. Par contre, il faut. Ah non, c'est bon. Exporter en OBJ. Comme ceci. On va voir s'ils m'exportent en plusieurs parties, ça m'étonnerait. Sinon, il faut que je les exporte à A1, parce qu'ils fonctionnent tout aussi bien. Hein. D'ailleurs, je vais les exporter à A1. Save mesh. OBG. Meter. Non, millimeter. C'est meter ou millimeter? Si je mets unitType égale. Bon, regardez meter. Preview mesh non, refinement low. Qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il va sortir de Fusion, ce n'est plus des formes, mais c'est des triangles. Et donc ici, basiquement, le fait de pouvoir mettre medium va me pouvoir choisir le nombre de triangles que je veux pour cette chose. Si j'avais mis high, j'ai beaucoup de triangles, alors ça fait beaucoup beaucoup de triangles. Si je mets medium, j'aurai quelque chose comme ça. Si je mets low, c'est ceci. Et si je mets custom, il va essayer d'aller encore plus bas selon ce que je demande. Mais custom, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. De toute façon, je peux repasser dessus en Blender, hein, donc on va faire, c'est bon ça. On l'a quand même fait pour avoir une forme. Donc, oui. Il va me dire où est-ce que tu veux le stocker? Je vais dire bah dans mon truc là-bas, avec ce nom-là. Oui, c'est parfait. Non, je ne veux pas le sauvegarder dans un cloud.
Voilà. Alors, est-ce qu'il me l'a exporté? On va aller regarder. Alors, bureau. Téléchargement. Non, c'est bureau. Eloi 3D. Hop. Stick. On va l'ouvrir avec un éditeur 3D. Ouais, vas-y. Est-ce qu'il peut m'ouvrir avec ça? Just once pour voir s'il me l'ouvre directement. Ok, parfait. Parfait. Oh. Non, ça par contre, c'est pas parfait, non. Mais c'est ça que j'adore avec Fusion 360, encore une fois, c'est cette notion de pouvoir revenir en arrière à tout moment et de corriger une erreur. En fait, ici, quand j'ai... Celui-là n'a pas fusionné. Du coup, quand j'ai fait ça, il n'a pas pris tout. Donc, du coup, avant ça, ici, quand j'ai dit fusionner, j'aurais dû dire celui-là et celui-là, comme ceci. Maintenant que j'ai fait ça, je reviens en arrière. Et c'est toujours pas bon. C'est toujours pas bon, c'est pas grave. Parce que des fois aussi, tu vas tout péter, hein, si tu... Parfait. Rien cassé. Non, on va pouvoir re-sauvegarder et réexporter. Ensuite, exporte ceci. Mesh, l'eau, oui. Dans le fameux dossier, oui, save, voilà, pareil pour celui-là. Alors, une fois qu'on aura exporté ces différents objets, il va falloir que j'aille les vérifier dans Unity pour être sûr que quand je les tourne, il n'y a pas de problème. Et s'il n'y a pas de problème, à ce moment-là, on va passer au fait de le dessiner avec de l'UV map. Est-ce qu'il y a moyen d'exporter? Non. Si je veux exporter tout d'un coup, là il va falloir ici. Export en OBG. Ouais. Comme ceci, pour voir si quand j'exporte tout d'un coup, il va m'apporter les différentes pièces ou une seule pièce. A priori, c'est bon, mais parce que de toute façon, dans Blender, je pourrais faire la différence entre les faces. Donc lui, je peux le fermer. Ok,
Fusion, c'est chouette. A priori, on n'a plus besoin de lui. On va vérifier ça directement dans Blender. Si je viens et que j'importe un objet 3D qui est sur le bureau dans Eloi 3D, on va essayer de prendre celui où ils y sont tous. Donc c'est OBG 3. Voilà. Il m'a rien exporté. Oui, il me l'a exporté tellement grand que je le vois pas. Non, tellement petit que je le vois pas. A priori. Edit. Voilà, donc ça ressemblait à ça niveau des triangles. Oh, ça passe. Bon, c'est pas un truc qu'il faut avoir partout dans sa scène, mais ça passe. L, L. Puis ici, si. L, L. L, L, L. Par contre là, ouh, ça bouffe. Mais je préfère que ça bouffe. Parce que c'est un élément qui va être en face de la tête du joueur tout le temps, quoi. C'est pas plus mal. Donc on va aller voir ce que ça donne dans Unity directement. Donc on va Unity. Alors, si ça donne bien dans Unity, je pourrais l'éditer plus tard et redessiner par-dessus plus tard. Alors, on va aller dans NoXR. NoXR, c'est le projet Unity où je mets toutes mes boîtes à outils. Qui ne sont pas pour la VR. Et quand c'est QXR, ça veut dire que l'outil est spécifiquement pour la VR. Et si c'est QMeta, c'est spécifiquement pour le Quest Meta. Ah. Donc en fait, je fais des boîtes de quarantaine où je fais mes boîtes à outils. Puis ces boîtes à outils, je les mets dans les projets ciblés. En gros. Donc maintenant, ce qui est important de voir, c'est est-ce que ça rentre bien dans Unity? Si oui, tant mieux. Sinon, il faut que je le réajuste. C'est ça que je veux voir. Et si ça rentre bien dans Unity, on peut peindre par-dessus. Mais tant que je suis pas sûr qu'il y a un problème, parce que peindre son objet 3D, ça casse vite. Du coup, il faut d'abord s'assurer que l'objet il est bien. C'est ça qu'on va aller vérifier. On va juste mettre l'objet vite fait. On va peut-être pas faire le script dans cette vidéo-ci, hein. Quoique, pourquoi pas. J'attends juste que ça s'ouvre évidemment et Unity prend toujours son temps. Didi. Voilà. Ok. Le but c'est de pouvoir piloter ces petites choses-là. Donc, Toy Controller RC. Est-ce que je fais un séparé? Parce que ça c'est censé être le code. En fait, c'est pas bien lier le code et les mèches 3D parce que les mèches 3D prennent de la place. Et en même temps, le but c'est juste d'avoir une manette que je peux déposer dans mes jeux. Donc, ça rentre dans le cadre du Toy Controller RC. Et on devrait vraiment séparer la vue du code. Ben, si je sépare la vue du code, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse une troisième boîte à outils qui utilise et le mesh. Et le code, et je t'avoue que ça devient un peu saoulant si je fais ça. Non, je vais le mettre dedans. Je sais que je fais une erreur, mais je préfère pour la simplicité. Donc 3D, voilà, on va faire un petit dossier qu'on va appeler stick. Voilà, dedans. On va aller mettre notre fameux stick, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Magnifique.
dans une scène qui lui appartient à lui seul. Il faut ici qu'on trouve ici le stick. Voilà. Alors, on va le faire peut-être en 3D directement plutôt. Donc, 3D drone stick. Dual stick mesh. Comme ceci. Enfin, dual stick. 3D. On va le mettre en 0, 0, 0. On va désactiver celui-là pour pas nous influencer pour le moment. Ce qu'il nous faut, c'est un non, c'est un cube de 22 mm. Donc 22 mm, c'est 2,2 comme ceci. Parce qu'on est en centimètres. Donc ici, ça doit faire cette taille-là. Plus ou moins mon mesh 3D. On va voir si c'est le cas. Nous, ce qu'il nous faut, c'est celui-là en premier. Et celui-là. Donc on va prendre ces deux. Ben, on va prendre les quatre. On va les déposer dedans. Ouh, parfait. On va les tourner comme ceci. Voilà. Donc vertical, c'est vers l'avant. Donc il faudrait que ça tourne encore de 90 degrés. Comme ceci. Voilà, parfait. Trop, trop cool. Alors, maintenant qu'on a ça comme ça, il faudrait que je le monte un petit peu pour que les rotations soient plus simples à mettre. Donc il faut que je fasse wireframe pour qu'on voit vraiment bien l'endroit où le milieu du cercle est. C'est plus ou moins ici. On va faire rotation anchor center. Comme ceci. On va le descendre de moins 11. C'est... Attends, 22,5, ça fait 11,25. Attends, 22,5. 11,25. Ok, donc a priori, on est au bon endroit. Voilà, donc... Premier objet à tourner, c'est le vertical, comme ceci. Puis il nous faut un deuxième centre de rotation. Rotation encore. Vertical, comme ceci. Ensuite, du coup, on va mettre notre magnifique, celui-ci et celui-là, dedans. Ceci. Et a priori, F shader. Voilà. Donc, si je prends ça et que je le tourne, magnifique. Peut pas le tourner plus loin que là, on peut pas le tourner plus loin que là. J'ai pas l'impression qu'on voit à travers. Parfait. Et celui-ci, il tourne de là à là. Parfait. Parfait, 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 parfait. Ça, c'est trop bien. Ok. Donc maintenant, il va nous falloir un petit script qui permet de faire tourner de ça, de là à là et de là à là. Que, bah, allez, parti, tant qu'on y est, c'est tout gagné. Ici, on va juste faire... Hop. Mesh, j'aime bien mettre mesh pour rappeler que là c'est là où il y a l'objet 3D. Au cas où, si je perds l'objet 3D, je me rappelle que c'est là qu'il y avait l'objet 3D. Perdre un petit peu de performance, mais c'est pas la mort. Ça va nous aider pas mal. Comme ceci. Donc, du coup, ici aussi. Mesh. Voilà, le cube, on le retire. Donc ça c'est bon, on va mettre le script ici, on va l'appeler Dual Stick 3D Rotation. Dual Stick.
Drone stick. Drone stick. Sinon, ce que je peux faire, c'est qu'on va utiliser ma vieille convention UI 3D pour dire Sun UI 3D. Stick, drone, mono. Mono. Stick, drone. State. Voilà. Donc on a stick drone state. Ici, on va pouvoir aller l'éditer. Maintenant qu'on a fait ce magnifique stick drone state, on va pouvoir lui donner. Il nous faut public transform. Rotate horizontal, public transform, m rotate vertical, public float, max rotate angle, vertical, max rotate angle horizontal. Ceci. Maintenant, il nous faut un pourcentage d'état. Personne horizontale. Horizontal state percent 1 1 pour dire que on a ça. Voilà, l'IA m'a aidé. Ici, on va mettre des petits ranges pour que le designer puisse plus facilement débugger. Ceci. Parfait. Alors, maintenant, il me faut des petites fonctions pour pouvoir mettre ça à jour. Ça, c'est ce qu'on va devoir mettre après. Pour le moment, je suis pas sûr que ce soit les bonnes données, donc je vais laisser ça. Donc, ce qu'il nous faut, c'est que le développeur puisse setter les variables avec des unity events. Donc, on va faire set percent tal, comme ceci. Pareil pour vertical. Voilà. Public void set random input, non state. Ça va me permettre en tant que testeur de vérifier que tout se passe bien. Voilà, et ici je vais dire refresh UI, comme ceci. Alors ici, ce que je vais pouvoir mettre, c'est ce que j'aime plus ou moins faire, même si c'est pas toujours la bonne idée, c'est de faire ceci. Use update fresh. Et en fait, comme ça, le designer peut choisir s'il veut l'update ou pas. Il y a toujours une perte de performance en soi, hein, parce que l'update va être appelé en permanence, mais c'est passable comme perte de performance. Voilà. Comme ceci. Ce qui fait que si on le fait manuellement, le truc il est rafraîchi, hein, parce que bon, s'il l'a changé, on l'a changé. Mais si on l'a pas changé et qu'on l'a fait à la main, on a ça qui se refresh avec l'update. Hop, 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 ce qui n'est pas non plus la plus grosse perte au monde, hein, dans un jeu qui se veut simple et pas trop complexe. Voilà, donc ici horizontal, ta-ta-ta. Mais ça il va falloir vérifier. Et pour pouvoir vérifier, il faut lui donner un axe. Ce que je peux faire, parce que si un gars change public vecteur 3, rotate horizontal, axis horizontal
égale à. Donc, dans la théorie, l'horizontal, il va bouger sur le z forward. Et le vertical. Ouais, normalement, dans la théorie, c'est ça. Donc ici, rotate 1, 1, 1. Je crois qu'il est bon. Angle vertical. Le truc, c'est que je veux laisser le designer choisir au cas où s'il me donne un objet 3D un peu particulier. Du coup, c'est plus tête horizontale point local rotation égale quaternion point identity. Comme ceci. Et puis on fait rotate horizontal. Ensuite, on lui donne l'axe. Multiplié par cet axe-là. Multiplié par. Multiplié par l'angle fois le pourcentage. Et j'ai pas besoin de ça. Juste besoin de dire que c'est space point relatif. Je pourrais le faire autrement, hein. Je vois comment le faire autrement. C'est juste que là, semble une bonne idée, mais on va voir, hein. Alors celui-là, je dois pouvoir l'appeler au cas où si je veux faire des tests. On sauvegarde. Ça va me donner un petit menu qu'on va pouvoir tester. De toute façon, on va l'utiliser avec cette random, hein. Ok, on revient dedans. Je pourrais utiliser le onValidate, mais le nombre de fois que le onValidate me fait chier sur des préfabs, je commence à plus vouloir l'utiliser. Donc celui-là, techniquement, c'est notre vertical. Non, c'est notre. Moi, si, c'est notre vertical. Et celui-là, c'est notre horizontal. Ceci. Si je le mets totalement à droite et totalement en haut, ici on voit qu'il a tourné dans le mauvais sens. Parce que c'est totalement en haut, totalement à droite. Moins. Bon, voilà. Maintenant, son angle maximum, il est plutôt de 30. Parfait. Et alors ici, son angle maximum, c'est pas 45, c'est 35. 35, c'est bien. Pourrait aller un peu plus loin, mais c'est bien comme ça. C'est bien comme ça, oui. Ok, donc c'est 30 et 35 pour le modèle par défaut. Si quelqu'un le remplace, il peut le changer, mais là c'est 30 et 35. 30 et 35. Sauvegarder. C'est parfait. Voilà. Donc, bah a priori, on est bon, hein. Play. Voilà. J'ai ça qu'il fallait de gauche à droite. Ça qui peut aller de haut en bas. Plus qu'à raccorder ça avec le PC et c'est bon. Maintenant, ce qu'il nous faut du coup, c'est colorier tout ça. Donc colorier toute cette partie là, 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 là. En tout cas, pas cette partie du bas a priori, quoique. Mais en tout cas, au moins ici, on doit pouvoir colorier et surtout ça et ça, on doit pouvoir le colorier. Parce que c'est là où il y a les mesures que sur la manette.
C'est vraiment pas nécessaire. Mais c'est un petit truc que j'aimerais bien avoir. Donc, on va sauvegarder. On va aller. Déjà, on va faire un petit commit pour dire qu'on va sauvegarder tout ça. Select, select, select. Et on va faire un préfab aussi. Charleroi. Ici, boat, stick. Ici, c'est le foutoir pour le moment. On fait une petite sauvegarde. On prend notre dial et on le met dans les préfab. On va le mettre dans les 3D. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est son objet 3D. Et nous, ce qu'il nous faut colorier en premier, c'est celui-là déjà. Puis celui-là. Mais le plus facile à colorier, c'est celui-là, je crois. Parce que celui-là, c'est juste une couleur, donc pour l'instant, on s'en fout. Nous, ce qu'il nous faut vraiment, c'est ici. Ici. Ah tiens. J'ai fait une bêtise. J'ai pas laissé une place pour une marque. C'est pas grave. On va faire avec. Je mettrai juste une toute petite couleur rouge et ça suffira. Sinon, vu que j'ai laissé un peu d'espace, je pourrais peut-être rajouter un triangle. Sinon, je peux exporter. Je peux toujours exporter, hein. Basiquement, si j'édite maintenant, je peux toujours faire sans que tout pète. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver ceci. On va extraire de 0,4. Comme ceci. Faire extraire de 0,4. Comment ça, tu rentres dedans? Théorie, il a avancé de 0,5, donc normalement je peux sortir 0,4. Mais c'est pas fait. Bon, ce que je vais faire, c'est désactiver. Ah merde! J'ai fait une jointure en faisant ça. Ok, c'est pour ça. Bon. Mais. 0,4. 0,4. Ça me laisse un petit peu plus de place pour mettre la marque, c'est quand même un peu plus sympa. Ok, donc maintenant il faut que j'exporte celui-là. Sauver sous l'eau, oui. On va le sauver. Dans le fameux dossier, on va dire remplacer, et puis il faut que j'aille le sauvegarder dans Unity. Ça, c'était le dossier 3D, mais nous, ce qu'il nous faut, c'est dans Unity. Donc, on va aller ici, on va faire Show in Explorer, Boats, I, 3D, Stick. C'est là qu'on va aller le sauvegarder. Donc, tout, 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 tout.
Yes, save, yes, tadam. Si je retourne dans Unity, hop, normalement il est un peu plus gros. Ça n'a pas changé. Et j'ai enregistré sur lequel alors? Horizontal, horizontal, exporter mon mesh en objet, low, oui, dans ça, sur, ah, je crois qu'il a exporté tout le projet, mais non, c'est pas ça, qu'est-ce que je raconte, c'est là qu'il faut que je stocke. Passe d'horizontale, save, remplacer, oui. Ah, c'est bon. Là, il est un peu plus épais. Donc maintenant, on va pouvoir aller éditer ça dans Blender et mettre un petit peu de texture. Alors, ben, un par un. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à part un par un, on va aller les texturer. Stick. Comme ceci. On va aller dans Blender et on va dire ouvre-moi, sinon le chasseur me tuera. Importer OBG. Ici, voilà, on dit qu'on veut un de ceux-là. Le type, pas besoin. Le holder, allez, le holder, non, je pars le plus simple. L'horizontal en premier, vas-y. Pourquoi il me l'a pas apporté? Importer OBG porte. Ok. Donc ça c'est le horizontal. Nous ce qu'on veut faire c'est aller dessiner dessus. Donc sur cette partie-là, donc on veut la rendre dessinable. Donc il va nous falloir l'UV Editor ici, comme ceci. On va prendre l'UV Editor, magnifique. Et sur cet UV Editor, on va dire tous les endroits où on peut le dessiner. Donc déjà, cette partie-là, évidemment. Donc, L. Alors. Alors, on va devoir faire des marques SIM. On va sélectionner une face comme ça. Puis on va faire de là, comme ceci. À là. Attends, parce que là, à là, c'est pas aussi. Hop, comme ceci, hein, ci, ceci, et comme cela. Voilà, on regarde qu'on a bien tout chopé. On met point sur Numpad, histoire de... Voilà, j'ai l'impression qu'il m'a fait une traîtrise là-bas. Bon, on va partir du principe qu'il ne m'a pas trahi. Marque SI, ça veut dire c'est là que je vais faire mon découpage. Okay. On fait pareil de l'autre côté. On prend cette magnifique face. On dit tu vas de là à là. Ensuite à là. Puis ensuite à ici. Oups. Et puis ensuite à là-bas. F3, marque SIM, ça nous permet de dessiner. Ici, pourquoi pas en mettre un ici, histoire d'être sûr que on ait un petit carré facile à dessiner. Donc là, ça fait un carré et deux faces qui sont faciles à dessiner. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est cette partie-là, puis cette partie-là, et cette partie-là dépliée correctement. Donc, on va sélectionner cette face-là, jusque... Ici, en poussant sur contrôle, pareil, contrôle, on fait tout le tour. Alors, un développeur qui a l'habitude tous les jours de faire du Blender, il y a sûrement plein de raccourcis qui me feraient gagner pas mal de temps. Hein. C'est juste que moi, ça fait quand même longtemps. C'était dans ma jeunesse que j'ai étudié le Blender. Et vu que je suis développeur, il y a plein de choses à étudier. Plus importante que les raccourcis de Blender.
Ok, F3, marqué ici, parfait. Donc là, on a ce découpage là, on a ce découpage là. Je suis presque sûr que Blender va s'en sortir. F3, un warp. Hop, attends, F3, un warp. Oh mon Dieu, il s'en est sorti tout seul. Donc on a ce carré là. Alors là, par contre. Ah non, c'est bon. Donc là, c'est bien. Sauf que quitte à dessiner une face, autant dessiner les deux. Je préfère avoir les deux d'un coup. Donc on va faire ça. Là, on va dire LL. Ah! Non, ça. Voilà. Puis on va se mettre comme ça. Et on va faire F3 et on va faire projection. UV projection, ce qui va nous permettre de se mettre comme ceci. On va les tourner comme cela. Et on va pouvoir le mettre là-bas. Alors, ça, c'est parce que j'ai demandé ça, mais que je ne vais pas donner un découpage ici. Donc du coup, ça, on va le mettre plutôt ici en bas. Pour le moment. Voilà. Parce que c'est le milieu de ceux-là. Voilà. Alors, ici, il faut que je lui donne un moyen de se découper. Et il me demande ben, où est-ce que tu veux le découper, ton magnifique petit cercle. Alors, il faudrait que je choisisse une face où c'est moins visible s'il y a une cassure. Un joueur qui joue avec ça, il va regarder de face. Il faudrait que je regarde genre au milieu. En même temps, là, c'est bien. On va prendre truc droite comme ceci. F3 marque sim. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire ben, tu me sélectionnes les faces de ce truc-là et tu me redessines tout ça. Voilà. Vous voyez que ici il y arrivait, mais il y a eu 2-3 problèmes, mais il y arrivait. Donc ici, on va le tourner pour qu'un designer ait plus facile de comprendre pourquoi il y a des vagues. Voilà. Parfait. Comme ceci. Lui, on va le descendre ici. Pour que quelqu'un puisse dessiner par-dessus, même s'il n'y a pas vraiment besoin, en l'occurrence dans ce cas-ci. Lui, hop. On va agrandir comme ça. De toute façon, la majorité des pièces, sauf celle-là, c'est des pièces qui ne sont pas fort utiles finalement. Parce que je vois mal quelqu'un dessiner ça juste pour le fun. Étant donné que c'est des pièces qui sont en soi cachées à l'intérieur de la pièce. Mais bon, de toute façon, on ne peut pas l'étendre plus que ça, celui-là. C'est sur celui-là qu'on a besoin de dessiner. Alors, j'aime pas trop le mettre trop près des bords. Pour la simple et bonne raison que quand on fait du Krita. Quand on fait du Krita, on va mettre des petits bords sur le côté, et si on le fait dépasser, ça peut se retrouver sur un autre endroit de l'objet 3D, donc je préfère toujours avoir des petits trous ici, même si c'est une perte de pixels et de qualité. Et on est bon, hein? On est bon. Parfait. Alors, il y a quelque chose que j'aime pas. C'est que le changer ça va être chiant. C'est que j'aurais pu couper ici, ce qui m'aurait pu donner une indication de où il faut que je dessine. Parce que si c'est parfaitement rond, je peux dire juste bah, au milieu c'est bon. Et ici dans le... Ah non, de toute façon on s'en fout, on a les trous là-bas donc ça nous servir de calibration pour dessiner, c'est parfait. Puis on a les trous là-bas. Non, c'est cool. C'est cool. Ok, donc on a notre magnifique 3D qui est déplié. Parfait, parfait. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on écrase celui-là sur l'ancien. Qu'on fait export, OBG. On va retourner à l'endroit où on stocke tout ça. Ça, c'est le horizontal. Voilà, celui-là. Donc on va écraser par-dessus. Voilà, maintenant il faut que j'exporte l'UV map qui est ici.
exporter. UV. Voilà, pareil, au même endroit. On va mettre UV derrière pour dire que c'est un UV. Voilà, on n'a pas besoin de plus de 1024. On retourne dedans. Voilà, donc ça, on va pouvoir le dessiner par-dessus notre objet 3D. Comme ceci. Parfait. Et alors, vous voyez que ici, du coup, on a tous les petits triangles. Nous, ce qu'on veut, c'est colorier. Donc, on va l'appeler coloride. Coloride. On va l'ouvrir dans Krita et on va aller colorier tout ça. Alors, par contre, je vais te remettre directement à 0, 0. Refresh, comme ça, parfait. Ça, je vais pouvoir aller faire des petites mesures là. Alors, les petites mesures, je vais aller voir sur l'autre. Pourquoi ça? Si je me trompe pas, ça correspond à des petites barres qui disent à quel point on est dedans. Quel point on est au maximum. Donc là, à 30%, c'est des petites barres qui sont à 30%. Ça va vraiment être dur de les replacer correctement entre les textures. De ce côté-là, était là, c'est vrai que j'aurais presque pu le faire dans le mesh pour être sûr que ce soit... Et d'ailleurs, je pourrais toujours le faire dans le mesh. Mais si je le fais, ça a tout pété. En fait, ce qui se passe, c'est que... J'ai pas envie de recommencer l'UV. Mais ce qui se passe, c'est que la précision de la coupure pour l'angle ne va vraiment pas être facile en 2D. Du coup, c'est mieux de faire un petit carré, une petite extrusion. Ça fera plus de triangle, mais au point où on en est. Du coup, je vais casser mon travail. C'est pas grave, au moins ça vous a appris que faire une texture 2D, il faut le faire au dernier moment parce que ça pète tout. On va retourner dans Fusion 360. Donc, ce qui se passe, c'est que j'aurais pu me contenter de ça. Sauf que, quand tu tournes de là à là, il y a une petite gradient qui dit bah t'es au maximum. Et ce petit gradient, il me le faut ici, 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 et sur l'objet. Du coup, il va falloir que j'édite ça. Alors... Papapapapam. On va dire qu'on se remet ici. On va cacher ça. On va créer un magnifique petit cercle qui va de là à là. Bien qu'un cercle soit pas la meilleure des choses, moi il me faut un carré. Central. Qui va de là. Comme ceci à là. Parfait. Qui va faire, on va dire, un bon gros millimètre de distance. Voilà. Ça, c'est le milieu. Maintenant, il me faut ça qui soit poup, poup et poup. Sachant que. Alors, normalement, je dois tourner le truc pour avoir la marque. Sauf que tourner ça, ça va pas être simple. Quoique, en fait, si je fais tourner ceci sur cet axe là, normalement, je suis censé pouvoir tourner ça. Si je dis toi, je veux que ton body tourne sur ça. De 35. Ah bah oui, 35 degrés. Ah non, c'était 30 degrés que j'avais mis dans Unity. Donc de 30 degrés, c'est son maximum. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire la petite ligne. Puis je vais faire une autre de l'autre côté. Et on aura donc les mesures. Du coup, c'est de 10, 10. C'est de 10 en 10. Ok.
Alors, j'ai une petite solution à ma problématique qui est vraiment dégueulasse. Je suis pas sûr que c'est comme ça que je devrais faire. Ah, vu que c'est de 10 degrés, puis de 10 degrés, puis de 10 degrés pour arriver à 30 degrés, ce que je peux faire, c'est... J'ai une idée qui sera beaucoup plus simple que ça. On reste ici. On demande d'afficher nos magnifiques mesures. On désactive tout sauf celle-là. On extrait un magnifique... Attention que c'est un magnifique cube, mais c'est un magnifique cube qui ne doit pas affecter ceci. Donc on doit le couper ici. Edit. Voilà, on doit prendre ce magnifique cercle, copier-coller. Sinon, on doit le générer nous-mêmes, comme ceci. Parce que nous, ce qu'il faut, c'est extraire ça et ça. Donc, on va extraire ça, ça, comme ceci. On va le descendre gentiment là-dedans. De 1,5. Parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire il nous faut un nouveau qui lui fasse toute la longueur. Ceci, toi, 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 toi et toi, on va t'extraire de ça, sauf qu'on va faire un nouvel objet. Voilà, magnifique. Et ce nouvel objet, on va le faire tourner plusieurs fois. Donc on va prendre ceci, on va le paterniser. Comme ceci, toi sur l'axe qui est celui celui Moi, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Rotate. Toi, en... Non, non, non. J'essaie de trouver le bon compromis. Celui-là, c'est ce qui m'a permis de générer ce truc-là. Donc, normalement, ça devrait être le bon cercle. Prends ça. On dit qu'on veut le dupliquer en pattern. Comme ceci. Pattern pass. On va dire qu'on veut cet objet-là sur ce pattern-là. On le veut dans les deux sens. Voilà. Et on le veut d'un angle. Mais je ne peux pas choisir les angles. Dommage. Bon, ben c'est pas grave, on va le faire à l'ancienne. Tiens, toi, tu tournes en créant une copie sur cet axe-là de 10 degrés. Comme ceci. Sauf que c'est 30 degrés. Comme ceci. Pareil, toi, tu crées une copie sur cet axe-là. De moins 30 degrés. Voilà. Ensuite, il me faut des toutes petites barrettes. Et les toutes petites barrettes, c'est ce cube-là, mais dupliqué et puis dont les faces ont été extrudées. Donc, il faut que je duplique celui-là. Toi,
Créer une copie. Ensuite, on te cache. Parce qu'on n'a plus besoin de toi. Toi, on va t'extruder ici de moins 0,3. Moins 0,3. Ceci. Du coup, il faut que je fasse deux duplications par là et deux duplications par là. C'est Il y a peut-être une méthode meilleure. C'est juste que là, pas la pression que ça me laisse le choix. À part peut-être me souvenir des raccourcis clavier qui est M. Comme ceci. Cet axe-là de 20. Comme ceci. On crée une copie. Toi, tu tournes sur cet axe-là en créant une copie de moins 10. Voilà. Et puis toi, tu tournes sur cet axe-là de moins 20. Et c'est bon, tu peux rester comme ça. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir dire que cet objet-là veut une coupure avec ça et ça. Tadam! Ok. Est-ce que la coupure est un peu violente? Elle l'est. Elle est un peu violente. Hop. Parce que dans la vraie vie, c'est vraiment léger. C'est pas une énorme coupure. Donc, l'avantage de ce logiciel, comme vous l'aurez compris, c'est que si je retourne là-bas, et que je dis que je veux ici l'extruder de 0,5 comme ceci, on va dire plus 0,8. Tadam! Parfait! Ça c'est chouette. Donc si je réaffiche mon horizontal, on a un joli trou qui me permet de savoir où je suis par rapport à ces barres. Parfait. Donc du coup, ici, si je prends toi et que je tourne sur cet axe, tourne sur cet axe de 30 degrés, on est pile poil dedans. Parfait. Maintenant, il faut que je fasse la même chose ici. Donc, c'est reparti pour un tour. On doit faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, tu te caches. Ensuite, on fait un cube. Bon, par contre, pour la peinture, ça risque d'être plus dur. Mais en même temps, on aura moins besoin de peindre vu que, là, basiquement, en fait, les peintures seront déjà là, quoi. En soi. Il nous faut un cube ici. Donc c'est parti. On fait un cube central qui va de là à ici. Il va faire un bon centimètre et demi. Non, je rigole. Un bon millimètre, c'est bon. Sauf que il faut que ce soit de là à là. Parce qu'il faut que la mesure soit dans le plastique. Voilà. Donc ici, on est bon. Donc maintenant, il faut que je descende de là à ici. Comme ceci. On va dire qu'il veut un nouvel objet. Comme ceci. Ce nouvel objet, on veut le dupliquer vers la. Toi, je te duplique sur cet axe-là. De 35 degrés. On fait une copie.
Ça, par contre, c'est pas chouette. Moi, j'aime pas ça, j'aime pas ça. On va faire une ligne. Une ligne serait plus idéale, mais celui-là, au moins, je perds moins de temps sur les mesures. Voilà. On va partir de là. En fait, ce qui se passe, c'est si je le mets là, pas en même temps. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Ok, voilà. Et donc, du coup, dans l'extrusion, je dois pas dire l'entièreté du bloc. Je veux dire tout sauf là-bas. Comme ceci. Ok. Edit de sens 1 et 1 moins 1. Donc ça, il faut que je les duplique une fois à 35 degrés sur cet axe-là. Créer des copies à 35 degrés. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Toi et toi, on va te dupliquer sur cet axe-là à moins 35. Voilà. Maintenant, pareil que plus tôt, on va devoir dupliquer ces deux-là. Toi et toi, je te duplique. Ensuite, on va dire que toi, tu vas recevoir un cut de, on garde dans l'outil, toi, et toi, comme ceci. Ensuite, on dit que toi, tu vas recevoir un magnifique cut. Attention de ne pas faire une bêtise. Nous, ce qu'on veut, c'est que le holder. Ouais. On veut que tu aies un cut sans garder les outils de toi. Voilà. On a ces deux-là. Toi et toi, tu te va-t'en de 0,3. Voilà. Toi et toi de 0,3. On a nos petits tirets. Ensuite, on va dupliquer toi et toi sur cette axe qui a disparu. Du coup, on va devoir retrouver là de 10 degrés, enfin de 0 à 35. C'est il a deux tirets. C'est quoi? J'ai la flemme. Donc on va faire de 0 à 35, ça fait 35 divisé par 2. Je ne vais pas mettre tous les tirets, je vais juste mettre la moitié. Comme ceci. Ensuite, toi et toi. Attention que c'était par copie. C'était par copie. Edit. Bon bah tant pis.
Toi, tu tournes sur cet axe par copie à moins 35 divisé par 2. Fois 2. Du coup, maintenant, c'est reparti pour faire la même chose que l'autre. On va faire bowling entre toi, en gardant l'outil. Ensuite, on fait pas booléen avec l'autre parce que lui, on a besoin juste d'une crevasse en fait. D'ailleurs, du coup, je me suis planté ici. Du coup, je me suis planté là. Là. Celui-là, c'est bon. Non, c'est celui-là où je me suis planté. Il ne fallait pas utiliser tout ça. Il fallait utiliser que toi et toi. Parce que ce qu'on veut, c'est juste une marque là-bas pour savoir où il se trouve par rapport à ces marques-là. Voilà. Bon, est-ce que j'avais besoin de faire ça pour le projet? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Est-ce que j'avais envie? Bah, au moins, comme ça, c'est fait, hein. C'est plus facile d'avoir les marques en étant sûr et certain que voilà, elles sont là, que de moi commencer à chipoter. Par contre, ce qui m'ennuie un peu, je comprends pas pourquoi ils ont 30% sur leur gradation alors qu'ils auraient pu prendre 0,5. Ici, sur celui-là. Parce qu'au moins, entre 1 et 0,5, au moins tu sais où tu te trouves, quoi. Parce que là c'est 60, ok, mais est-ce que c'est. Est-ce qu'il y a peut-être une raison, donc je vais laisser ça comme ça. Ok, bon, tout ça pour dire. Je vais pas laisser ça comme ça. Alors, ici. Hop, un peu plus tôt. Toi, delete. Toi, delete. Toi, edit. Moins 15. Toi, edit. 10. Non, 15 du coup. Je préfère avoir la moitié que d'avoir deux petits. Je fais peut-être une erreur, hein. C'est peut-être tout le monde dans les conventions à 3, mais nah. Comme ça au moins je sais que je suis à 100% ou à la moitié. Ok, et ben voilà, c'est cool. Donc maintenant il faut que je réexporte tous mes objets, sauf le type. Ok, donc celui-là. Je vais peut-être vérifier sur celui-là que j'ai pas fait de bêtises, mais ça a l'air d'être bon. Ok. On va exporter tout ça et je suis pas sûr que je vais faire l'UV dans cette vidéo parce que faire l'UV avec les trous, ça va me prendre du temps. Déjà, si j'ai ça, je suis déjà bien content. Finger, oui. On va faire exporter sous. OBG, oui. Vertical dans. Unity 3D Stick, save, remplacer, pareil, exporter sous, dans horizontal 3D, oui, exporter dans Attention que je l'ai appelé hauler au lieu de holder. Ça, c'est pas idéal. Ici. Holder. Je vais le mettre là parce que quand je vais exporter, ça n'a pas donné un bon résultat d'avoir une photographe partout dans les objets. Voilà. Du coup, j'en aurai un deuxième ici.
Le hauler, je vais le supprimer. Il va y avoir un truc rouge ici qui va se créer. Et on va le mettre dans à la place du hauler qui vient d'être perdu. Comme ceci. Attention que mon hauler, il doit tourner. Ouh, comme ceci. Et alors, il doit aussi tourner comme ceci. Alors, toi, tu avais tourné de moins de 90, donc c'est moins de 90. Comme ceci. Voilà, j'ai mes petites mesures. C'est... Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien, à part pour le plaisir de les avoir. Mais je les ai. Serait quand même bien de les avoir en rouge, rouge vif. Bon. Le dépliage, du coup, lui, il est tout pété parce que bah, c'est une nouvelle pièce, donc je peux tout supprimer. Et si je veux colorier les petites pièces rouges, va falloir que je le fasse une à une. Bon, toi, rentrer dans le rouge. Matériel. Joystick type color. Rouge. Métallique. Bon, normalement c'est rouge, grisé et tout, donc il faudrait une texture hein, sur celui-là. Mais pour le moment, on va se contenter de rouge. Hop. Holder, color. Horizontal. Vertical. Attends, mais... Vertical, color. Vertical, là. Horizontal, color. Et holder color. Parfait. Bon, pour l'UV map, on verra plus tard, hein, parce que j'ai pas nécessairement le temps pour le moment de faire l'UV map. Donc voilà, on a notre magnifique objet 3D qui va nous permettre de faire un joystick. Alors il nous en faut deux. Déjà, on va faire appliquer, comme ceci. Magnifique. Mettons 0, 0. Appliquer. Refresh, play, voilà. C'est trop chouette. On va prendre une petite capture d'écran.
Sauf qu'il ne me laissera pas sélectionner. Bon, après, ça sera pour plus tard. Propriété. Voilà, parfait. On va les mettre ça dans le GitHub qui s'appelle I Control I Toy Controller RC juste pour le fun d'avoir des archives. Parfait. Ok. Alors, on a notre magnifique préfab. Il nous en faut deux. Left, right. Comme ceci. On va créer un point vide en mettant 0, 0, 0. Lui, on va le mettre, voilà, game, dual gamepad, dual joystick, pad 3D, comme ceci. Toi et toi, tu viens dedans. Toi et toi, vous allez tous les deux en 0. Il y en a un qui va comme ceci. En moins 0,05 et en 0,05. Alors je vais vérifier sur leur manette à eux parce que basiquement ça c'est une donnée qui peut être importante due à la taille de la main. C'est 27 mm entre ça et le centre. Donc on va prendre ça et on va dire moins 0,27. C'est des millimètres. Donc, du coup, il y a un petit problème. Moi, ma manette, elle n'est pas comme ça. Tout, 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 tout. Entre ça et ça. Il y a 25. Ah oui, c'est entre ça et le centre. Donc entre ça et le centre, il y a 52. 0,52 et moins 0,52. Tada! Magnifique! Donc ça, c'est une manette. Fly Sky. Donc, il me reste le kill switch. On va pas les faire tous. D'autres que je dis, on va pas les faire tous, hein, mais c'est pas non plus comme si c'était la mort à faire. Mais ce qu'il me faut absolument, moi, c'est un kill switch. Il m'en faut deux types, les grands et les petits. Les petites roulettes là, ça pourrait être trop cool, mais c'est pas nécessaire. Et le reste de la manette, bah non, c'est pas mon but, c'est pas de refaire la manette en entier. Donc dans la prochaine vidéo, je vais faire les kill switch. Et une fois que j'ai fait les kill switch, je ferai la petite roue et le trigger. Sur ce. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez appris à faire des objets en 3D avec moi. Et je vous souhaite un bon amusement. Alors, on pourrait ranger le projet et vous montrer comment Git on fait pour sauvegarder, Gitter et tout. Mais je suppose que si vous êtes venu voir de la 3D, c'est pas nécessairement pour voir du Git et du code. Je suppose. Dual joystick. Pam pam pam, pad.
Voilà. Et lui, on va le mettre là-dedans. Comme ceci pour le moment. Parfait. Et bah sur ce, que le code saute avec vous, que le triangle saute avec vous, et à la prochaine vidéo.